La parole est à André Gattolin pour le groupe écologiste. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Monsieur le ministre, le 31 décembre à minuit dernier, la journaliste française Ursula Gauthier a dû expressément quitter la République populaire de Chine, où elle était correspondante permanente de l'Obs, après une virulente campagne de dénigrement orchestrée par les autorités de ce pays. Son crime, c'est d'avoir décrypté pour la presse française l'instrumentalisation politique faite des attentats de Paris par un régime chinois désireux de justifier dans l'opinion internationale la répression et la sinisation forcée de sa minorité musulmane ouïghour. Que la Chine censure sa presse n'est pas en soi nouveau. Qu'elle s'autorise à censurer la nôtre au motif que des Chinois pourraient la lire constitue un précédent inconcevable. Et pourtant, c'est ce qu'il vient de se passer. Confrontés à une situation similaire en 2009, nos diplomaties avaient pu éviter l'expulsion de journalistes en brandissant la menace de la réciprocité. Cette fois-ci, il n'en a rien été. Le gouvernement français s'est jusqu'à présent contenté d'exprimer des regrets et un attachement à la liberté de la presse si timide que le milieu journalistique et les médias internationaux s'en sont émus. Alors, Monsieur le ministre, ma question est aussi simple que claire. Le gouvernement français entend-il, même tardivement, condamner officiellement cette expulsion avec la plus grande fermeté et entend-il convoquer l'ambassadeur de Chine à Paris ? Car en l'absence d'une réaction sans ambiguïté de la France, le risque est grand que des pressions toujours plus fortes s'exercent à l'encontre des autres correspondants établis en Chine et que nos grands médias finissent par renoncer à y être présents. Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à M. Harlem Désir, secrétaire d'État en charge des affaires européennes. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs. Monsieur le Sénateur André Gattolin, la France regrette vivement que les autorités chinoises aient décidé de ne pas renouveler la carte de presse de Mme Gauthier à compter du 31 décembre dernier. C'est pourquoi le ministre des Affaires étrangères et du Développement international, Laurent Fabius, a fait passer des messages très clairs à la Chine dès le début de cette affaire, et ce, à plusieurs reprises. D'abord à Pékin par notre ambassadeur, à deux reprises, puis à Paris par l'ambassadeur de Chine, à trois reprises, pour demander que la Chine revienne sur cette décision. Nous avons aussi mobilisé l'Union européenne, qui s'est exprimée dans le même sens, dans une déclaration sans équivoque. Nous espérons donc que la Chine pourra, après réflexion, autoriser de nouveau Mme Gauthier à poursuivre son travail sur place. La liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté de la presse, le libre exercice du métier de journaliste sont des valeurs fondamentales auxquelles nous sommes profondément attachés. La France sait trop bien quelles menaces pèsent sur ceux qui s'expriment librement. Les attentats du 7 janvier nous l'ont rappelé durement. Et le récent rapport de Reporters sans frontières de décembre 2015 a montré une fois encore que les journalistes pouvaient être victimes de l'inacceptable. Notre conviction est qu'il est dans l'intérêt de tous que les journalistes puissent exercer librement leur profession partout où ils le veulent. Nous continuerons donc à défendre cette position et à expliquer à nos interlocuteurs partout dans le monde pourquoi ces valeurs sont fondamentales et quel est leur intérêt à les mettre en application. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Gattolin. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le ministre, pour votre réponse. Mais je vous ne cache pas que l'usage des mots a un sens. Et en l'occurrence, vous regrettez, vous ne condamnez pas. Alors, bien sûr, le ministre des Affaires étrangères s'est exprimé en privé. Nous avons besoin quand même d'actes en public. Nous ne pouvons pas avoir en public un discours sur les droits d'homme et la préservation des libertés et de notre liberté de la presse et en même temps avoir des actes qui se font uniquement en privé. La situation devient trop dramatique. Encore hier, un grand défenseur des droits de l'homme suédois vient d'être arrêté en Chine. Il y a un durcissement. Nous ne pouvons pas passer tout cela sous silence. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue.